Oui. On peut mettre son doigt dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il te fait là? Ah, la musique l'année prochaine. Il n'aura plus. Obligatoire pour tout le monde, enfin sauf les gens. Non, mais dis, sauf les gens qui peuvent pas. Il y a des gens. Comme une dame, admettons, de mon âge, elle disait pourquoi. Elle a dit je peux acheter un ordinateur pour faire ma déclaration d'impôt. Il va souffler alors. Hop. Oh. Je vais un peu moi. Ah. Voilà. Hein? C'est toi qui souffle ou c'est papa qui souffle? Il n'y a pas que l'ordinateur, il y a l'abonnement, il y a enfin. Mais c'est abonnement, c'est même que le téléphone. Et savoir s'en servir. Oui. Alain, l'autre fois, il voulait prendre... On va chanter en anglais, la chanson. In English? Oui. Yes. Donc, c'est toi qui vas chanter, parce que nous, on ne sait pas chanter en anglais, cette chanson. Si, hein. Vous savez! C'est vrai? Doucement, doucement, doucement. Non, d'abord, poser avant de prendre le... Poser d'abord. Dessus? Oui. C'est plus facile de faire comme ça, pour une. Hop. Pourquoi on est que 6 bougies? Tu veux que j'en mette 60? Ah non. Hein? Est-ce qu'il y a la place pour 60? Il y a 6, c'est déjà bien. Oui. Et dans ta tête, tu mets un 0. Une qui penche. C'est pas grave. C'est toi qui souffres là. 60 ans, je sais pas ce que j'ai fait dans mes 60 ans. Tu étais où? À la Réunion? À la Réunion. Oui, je dirais. Allez, on éteint la lumière. 1, 2, 3. C'est toi dessus qui souffle. Mais non, on fait pas maintenant. Bon, on fait quand? Mais si, c'est maintenant. Mais non! Il faut chanter d'abord. Allez. Happy birthday. Non, attends. C'est toi qui chante. Happy okay. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, papa. Happy birthday to you. Bravo! Et en français, en français. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Ouais! Ouais, tu peux souffler! Ouais, 6 fois t'as soufflé, hein? Maintenant il faut que papa devrait les allumer et puis à lui de mais souffler. Non, on fait un concours? Non, non. Ok, on fait pas. Parce le que concours c'est lui qui a 60 ans, il faut qu'il siffle. Attends, c'est toi qui range, hein? C'est des AA qui chantent, ouais. Pour que veuille anniversaire. Et Long a super bien chanté, hein. Est-ce qu'on enlève là? Oui. Oui, tu enlèves tout. L'ensemble, non. Non, on enlève tout comme ça. Doucement. C'est pas grave. Allez. Pas grave. On a eu la chance, hein, le gâteau, pas d'amour. C'est la deuxième fois, hein. Et toi, ça l'a tenu. Oh, pourtant, je ne pas. Ah oui. Et à chaque fois pour un anniversaire. Ah oui. Hein? Combien fois ça a été comment? Ah, les ciseaux sont là. Catastrophe. C'est vrai? Tout mélanger le gâteau. Oh. C'était où? Bon, pour papy. Ah oui. Oui, dans la chambre de papy, c'est ça? Le gâteau était tombé. Hein. Attends, non, c'est là qu'on enlève, c'est ici. C'est ici, Viedlong.
Donne-moi le ciseau. Donne-moi le ciseau. Le ciseau est là à côté de toi. Là, ici. Ah oui, il va où faire. Tu as coupé. Il faut couper. Non, il a réussi. Ah, ok. Il y avait du scotch. Tourne. Ouais. Tu vois, on travaille en équipe. Hein. Ils ont pas leur, leur devanture, ouais. Mais ça fait sombre. Bah, ouais. Voilà. Comme chez la coiffeuse, je vais la lapin en gris foncé aussi. J'ai envie d'aller déjà tout couper. Ça, c'est anniversaire de papa ou anniversaire de vélo? Ben, ils ont, ouais, ils ont pas ça pour moi, je chocolat. Toutes les bouches. Donc on coupe en deux d'abord. En quatre. En deux, en premier. Ah non, tu voudras une part? Oh oui. En tu sais pourquoi? Non. Pour fêter. Et en six. Fêter quoi? Faut bien couper d'abord, sinon après ça part pas. Ici, celui-là, il n'y a pas de truc en dessous. Oh, les billes sont jolies comme couleur. Hein. Et pour ton anniversaire plus tard, quel gâteau tu veux avoir là? Aux fruits. Aux fruits, d'accord. Pas mon anniversaire. Ok. On prend. Ouais. Tiens, donne ton assiette. Ça va tomber. Oh, je voyais une maison hier en pénalant. Ils sont fait une belle veranda en bout à l'intérieur. Parce que la maison n'est pas grande. Où ça? Tu vois, quand on prend le petit chemin pour voir l'Illouette et tout ça, là, le petit sentier là. Ah ouais, ouais. Bon, ben tu arrives à la route de Pénalant, ça, et là il y a une maison. Qui a été refaite un peu. Il y a deux garages là, côte à côte, là, dans le jardin, et ils ont fait une véranda dans la maison. Là. Une maison avec des volets rouges? Ah non, non, non. Des volets rouges, ouais. Pas sur des volets. Là. Tu veux ça? Un petit morceau. Petit. Hop là. C'est bon, c'est bon. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des belles vérandas maintenant. Hein. Ouais. Tout ça, ça évolue. Donc tu vois, spécialement pour anniversaire papa, maman m'en le laisse. Magnifique, hein? Elle fait un effort. Donc c'est bon? Oui. Ouais. Tu aimes bien ce gâteau là? Hein? T'as combien de billes? T'as compté de billes? Ça. Ça fait craque dessus, non? Écoute papa. Oui, ça fait. Oh. Ah ouais. Oh, le gâteau est bon. Spécialement, je ne sais pas que au chocolat. Oui. Donc, pour ton anniversaire, ça sera un gâteau aux fruits. Quel fruit tu veux? Fraise, framboise. Non, mais en vrai, on n'a pas que un fruit, on a plusieurs. Là. Pas trop. La mangue. Il faut un gâteau à la mangue. Comme lequel tu fais tomber dans la chambre de papy. On prend le même. J'ai pas acheté de fraises, quoi. On fait maintenant une atout d'année. Deux fois acheté. En ce moment, on aura des fraises dans les. Normalement, ton anniversaire, ça sera un son anniversaire ou deux. Un. Sûr? Deux. Toi et moi. Ah ouais? Tu te rappelles la chanson? Happy birthday. Ah, ok. C'est vous allez me la chanter. C'est vrai, c'est nous qui Ah oui, c'est à nous de chanter, alors, d'accord. Mais il faut qu'on sache le texte aussi. Il faut
que tu nous montres. Surtout, surtout pour ton anniversaire, on a spécialement une chanson à nous aussi. Hein. Quoi? Le petit... Mais non, j'ai pas de chanson de nous. Ah, mais l'anniversaire. Ça, c'est anniversaire de précisément à nous. Mmh, tu manges les billes. Tu ne sais pas, cette chanson, c'est à nous deux. Non, mais surtout, on conserve cela, on garde cela. Pour que le jour, quand tu arrives de faire des notes, composer et aussi protéger nos droits. Ah. Ton piano marche toujours? Oui, ça marche. Ça se mange tout ça, là. Enfin, un truc sur la bourboule, j'ai jamais vu à la télé. Mmh. Dans le monde d'or, oui. Ah ouais? Donc, c'est là, enfin, la naissance de la Dordogne, c'est là. Ah bon? Ouais. La rivière qui passe à la Bourboule, c'est la Dordogne. Il y a plein de petits ruisseaux dans la campagne. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il y avait, peut-être que... J'avais le souvenir, on avait été à la bonne Dordogne, je crois. J'avais plein de petites grenouilles. Ah bon? Dans les... Il y avait un truc avec de l'eau et tout ça. Peut-être un morceau de plus alors. Ben, l'autre jour, j'ai vu un film qui se passait en Auvergne, justement. Okay. Une dame qui était, elle était ouvrière dans le Nord et puis elle était maltraitée avec son mari, puis elle a tout quitté. Et ben, ça s'appelait l'annonce. Et elle a trouvé un homme, un Auvergnat, sur les annonces matrimoniales. Et elle est venue passer Noël avec son fils en Auvergne. Ouais. Un la film neige, la neige, tout ça. Maman. Puis ils étaient éloignés de tout. En fait, le petit, c'est plus tout de suite. Il avait le gâteau, il aura de la fraise. Il aimait bien s'occuper des bêtes. Ah bah ouais. Des framboises. De la pomme, un peu des bouts. Dans ce cas, on va demander, avant ton anniversaire, on va demander à la pâtisserie de gourmandise, c'est ça? Oui. Et demander qu'est-ce qu'ils ont pour te proposer comme gâteau d'anniversaire. Peut-être le 21 octobre. Non, le... Ah, un petit peu avant. Hein. Un peu avant. Le 19, peut-être. 18 ou 19. Comme ça, on va demander qu'est-ce qu'ils ont pour te proposer. Enfin, c'est ce matin, je pensais à ça, à Carantin, il y a quand même il y a quelques boutiques, quoi, comparées autour. Il y a un Vic. Un Vic est plus petit aussi. Oui, oui, oui. Ou Tollé. Tollé, je ne sais pas si... Papa, les boutiques de vêtements, tout ça, si tu veux faire des cadeaux. Papa, j'ai une chose, je vais vous montrer un peu. C'est mieux pour te montrer. Il y a une clientèle... Il va te montrer. C'est pour ça qu'on éteint les bougies. Ah oui. Oh, mais c'est comme c'est pas comme ça qu'on je prends un souffle. Petit bout encore. C'est qui? Hein? On peut ça, c'est tout petit ça. Déjà ça. T'as mis en prendre un petit bout aussi. Attends, ouais, fini celui-là. En fait, tu as pas. Lui, je, t'as pas la même personne qui habite à Tourné avec Nãy con quên, không hát mừng sinh nhật. Ông Việt Nam miêng. Ông Việt Nam miêng là tôi trả lời tao vì chúc mừng sinh nhật papa. Chúc
sing, yat papa. Là, il faut une voiture. C'est la casserole. Casserole. Comment il faut chanter alors? Happy birthday, donc. Chok mon sing, yat papa. Chok mon sing, yat papa. Ils donnent sur la route. Papa, écoute, avant, écoute ce que dit maman chante. Ah oui? Chúc mừng sinh nhật papa. Chúc mừng sinh nhật papa. C'est quoi cette chanson là? C'est bon anniversaire? On ne connaît pas le rythme. Et qu'on a déjà mis un petit morceau. Mamie, il y a un petit morceau. Mais on met un petit morceau. Tu es en Vietnam, on trouve bien. En Vietnam, bien. Quelle chanson tu connais? Quand tu me donnes. Je vais partir au bord de la route. Ok. Bon, si. Bah, apparemment, c'était le plus grand, je crois. Et non, et puis là, il a fabriqué. Là, là-bas, entends ouais. Le bruit. Ouh là là. Le terrain est vraiment argileux là. Parce que là, enfin avant, là ils ont emmené des tas de terre, de la bonne terre, quoi, pour mettre juste dessus, quoi. Mais en dessous, quand il pleut, là, c'est un imbibé d'eau. Tu veux tout absolument casser alors? Là, ça se voit. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, c'est sucré, siphon de sang, mais après, non. Ouais. Avant, ça veut dire que l'époque, avant, vous quittez la famille pour aller en ville. Après, aller en ville, je tombe malade, petit à petit, je déteste certaines choses qu'avant, ça va. Pendant une dizaine d'années, je ne peux pas manger des nouilles en temps, des antanoudous. Parce que pendant l'époque de travailler dans le textile, je mange ça tous les jours, surtout à l'époque que j'étais malade. La seule chose qui est plus facile pour faire manger, et ça, c'est parce que je ne peux pas sortir pour aller manger à l'extérieur, faire manger. Dans l'endroit où j'ai loué, impossible parce qu'il n'y a pas de. J'ai loué juste pour se loger, mais pas de cuisine. Donc c'est la seule chose de l'eau chaude avec ça. Et après, pendant une dizaine d'années, impossible de manger. Dès que je sens l'odeur. Allez hop. Oh, il n'y a pas de force, hein. On va remettre au frigo pour ce soir. Pour faire long, hein. Il a dit qu'il ne veut ce soir. Ce soir, hein. Oh. Mais ça va trop vite. J'aime pas ta chanson de joyeux anniversaire. Parce que maman ne sait pas chanter, ta mère met ça, non? Quand tu habites à Vic, il faut faire l'élan de bon. Les courses, tout ça. Il faut faire de l'élan. En voiture, tout le temps. J'avais fait l'élan. Il n'y a rien à Vic, je crois. Il y a peut-être un coin épicerie. Il y a une boulangerie. Ah oui, oui, oui. Une boulangerie. Ça, c'est d'où, Jao? Il ça, c'est au Vietnam. C'est lui là, c'est au Vietnam que tu as. Comme je vois, Morlaix là. Et c'est pareil, la boulangerie qui a la toi, je t'avais déjà montré. Ça marche à plein puits. Ah ouais. Et je vais faire une boulangerie comme ça,
dans les magasins Connexion, je ne sais pas trop quoi. Connexion ? Oui. Ah oui. En vrai, je savais le montrer. Tu es sûr ? Bah ouais. Je ne me rappelle plus. Si, tu dois te rappeler. Mais si je me rappelle plus, je me rappelle plus. Ce qui est ben, boulanger, j'ai la mémoire de fourmi. Toi, tu as la mémoire d'éléphant. Moi, j'ai la mémoire fourmi. Le nombre de boutiques qu'il y a. Con có bộ nhớ của voi, mẹ có bộ nhớ của kiến. Comment ça s'appelle la terrasse. Bah, le nombre de boutiques qu'il y a. Con ơi, cái tay con cẩn thận, nó lại chảy máu mũi bây giờ. Alors que c'est vraiment en plein centre-ville, que ça peut pas être plus central. Le problème, bah, tout change quand les jeunes maintenant. Ils habitent plus au centre-ville, quoi. Et puis les anciens qui habitent au centre-ville, et ben les boutiques qui sont là, c'est pas fait pour eux. Est-ce que tu sais que est-ce que mamie elle sait que tu sais lire? Bien sûr. Tu es sûr? Bébé. Comment? Mais moi, je n'ai pas vu. Tu connais? Hier, je t'ai lu. C'est vrai? Je t'ai lu. Moi, je sais que tu sais lire, mais je ne sais pas que maman sait que tu sais lire. Si, tu sais. Oh. Comment je sais? Il sait que tout le développement des supermarchés, là, c'était... Tu gardes tout dans ta tête, à l'Europe, ça? C'est l'Europe qui a autorisé ces trucs-là de grandes surfaces, tout ça. Il y a plein de grandes surfaces qui sont en difficulté. Et ben maintenant, maintenant, ils s'aperçoivent que il y a d'autres styles de commerce, quoi. Ouais, Carrefour à Auchan. Oui. T'as cassé. Eh ben. Enfin, chez Peggy, c'est quand même plus cher que la place de Casino, encore. Bien sûr. Mais enfin, pour les gens qui ne peuvent pas à la Casino, parce bah que. Ouais. Ouais, mais la qualité, ils vendent des bons trucs. Ouais. Ils vendent des trucs de marque qui sont bons. Quoi. Et quand même, certaines choses, j'ai acheté ailleurs et après, je dois retourner là, même c'est plus cher. Mais leur marque Douce France à l'époque. Ah, Douce France. Ouais. Mm-hmm. Bah, ouais. Non, c'est notre marque, il n'est pas bien. Ça a été. C'est quelle marque il n'est pas bien là. Où ça? La nourriture, la viande, là. Il y a une marque qui. C'est Peggy? Non. Je croyais que le nom Douce France, mais non, c'est pas ça. C'est la marque des poulets, des trucs comme ça. Là. Loué? Non, Loué, c'est la bonne marque. Loué, c'est la bonne qualité. Loué, il y a 36 000 marques. Il y a une marque, bah. quand on veut acheter une fois, la qualité n'est pas terrible. Dans les poulets, quand on peut trouver la marque Jancé, il y a des poulets. Ah ouais? Ça, le goût de poulet. Ah, ok. Loué, ça c'est bon aussi. Tu veux du carton déchiré? Entre élevé en plein air, élevé, ouais. Enfin, 36 000 ouais. Trucs. Tu veux du carton déchiré? Quand je goûte un petit peu ton bras. Et il est bon. Attends, papa, tu veux du ouais. Carton? Et il est déchiré pour faire du feu. Et celui-là, je me souviens, j'avais acheté une fois quand j'avais été au Vietnam, c'était 11 euros la bouteille. Là maintenant, c'est 15 euros la bouteille. C'est plus cher que le vin sud-africain, là, est bon, hein, un rayon. Là. Ah ouais, ouais, ouais. On trouve du vin. Il faudrait que j'achète une fois à Roscoff. Là où il y a le bus anglais, ouais. Là. Là, il y a du vin sud-africain. Ah bon? Oui.
faire du feu. Ah oui, 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 tu gardes ça pour faire du feu. Ouais. Tu le mets là-bas. J'ai déjà déchiré pour faire du feu. Bah, c'est vrai. Ça, ça rentre. Ok. Je sais pas si là, tu as vu. Il est fort. Pour faire du feu, là. C'est du Bordeaux, hein. Oui, oui, j'ai bien. À part. Hein? 13. Pas trop envie, lui, pour faire du feu. Ah non, 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 regarde celui-là. Ah, mais là, on regarde. Celui-là, on en garde un. Oui, oui, oui. Pour faire quoi? Pour mettre la musique dessus, ça peut servir. Là, ouais. Ça peut nous servir. Il y a des vieux de. Non, quelquefois, on l'a fait en 2018, c'est pas mieux, tu vois. Comme ça, on se rappelle. On laisse-le, bien. Laisse-le. Là, on ne casse pas. Hein. Là, on et il y en a à côté, dans la pièce à côté. Derrière là, il y en a. Si tu ouvres la porte là-bas, derrière peut-être, il y en a. Mais si tu casses, hein, là, je vais gronder. Hein. Non, je ne casse pas. Et tu ranges la boîte en bois, elle est longue. Ah, tu sais pas où elle est. C'est là-dedans qu'il va y avoir sa tortue. Trésor là-dedans. Les trucs qui les a. Si là il y a une tortue, si là c'est pas les mêmes. Là, c'est un morceau de lave aussi. Là, si là. Là c'est joli ça. Ah oui, oui. Papa, on a pas de carton. C'était accroché sur le tissu. Bah, t'as du tissu pour faire du jus. Hein? Oh, c'est encore plat à stock. C'est vrai. Ça, tu veux regarder ce qu'il y a dedans. Et là il y a des. Ok. Peut-être ça va servir pour ma belle-fille plus tard aussi. Oui, avec la maman à stock de tissu. Hein. Peut-être ça peut servir pour ma belle-fille. Ma belle-fille, ton avis, qui sera ma belle-fille? Je ne sais pas! Ça sera ta femme plus tard. Si tu trouves une femme, ça sera ma belle-fille. Non. Pourquoi non? Je ne veux pas en faire. Tu ne veux pas en faire? Non, je veux. On veut garder pour lui. Hein. Un souvenir. Ah, je rappelle. Non, je veux le tissu, comment? Je veux dire le tissu que j'ai pour faire des jupes. Hein. Maman, elle a encore un stock. Un stockage. Un petit bon, non, un stock. Un stock. Le tissu, il y a des tissus. Papa, il a acheté en Thaïlande. Les autres sont en Indonésie, c'est ça. Tout en Thaïlande. En Thaïlande, et après, c'est de Vietnam. Sous la télé, ça vient de. Thaïlande, ça tient toujours. J'ai du tissu aussi de Martinique et tout ça. Ah, c'est joli ça. Et le tissu, mamie a sauté où, je ne sais pas. Que maman fait le truc pour couper ses cheveux, là, parce que celui-là, ça tient bien. Ça, ça vient d'Afrique. Du wax. Ouais. Je vais acheter du wax dans le bleu. Là. Bleu et blanc. Et de la Réunion, ça c'est par là qu'on a sauté des tissus. Bah, des langues, maman, ouais. Oui, alors, ça c'était sur le tissu de la Réunion. Oui. Ouais. Ça c'est joli, hein. Ouais. Eh bien, tu en as là-dedans, mais non. Ah, les lampes, là. Et surtout, on a une lampe magnifique là, où on va mettre. Une lampe. Une lampe. Hein. Une lampe. Qui est... Une lampe. C'est pas lampe, hein. C'est l'ombre. L'ombre. Que ce qu'on a sauté à Nbua, là. Ah ouais? Ouais, c'est, celui-là est beau pour que décorer. Le bigorneau. Mais avant, on faisait des lampes de Madagascar. Le bigorneau. Ah oui, ça c'est bien doux, alors. Le bigorneau à papa et mamie. Ah oui, génial, enfin, il faut que maman... C'est pas une lampe, c'est un... On peut faire un tableau avec ça de Le Gall.
Il faut que maman monte ce bigorneau-là à papa et à mamie. Oh là. Ça, c'est joli, hein. Là aussi. Magnifique. T'as chanté la mer. Tiens. Ah, c'est une assassin, hein. Ou l'autre. C'est celui-là qui sent. Oui, et maman, elle a encore un sac avec des bigorneaux qui sont là-bas. Il faut qu'on mette pour aérer d'abord. Il faut qu'on mette un extérieur pour bien aérer. Il y a des bigorneaux. Oui, des petits bigorneaux qu'on a ramassés à l'incalote. Hein. Ah. Toutes couleurs différentes. T'as tes os, hein? Ouais, ça, c'est quoi, ça? Mais quand on est gauche, on aime bien ramasser des trucs comme ça. Ah, ouais. Ça, c'est rare, hein? Il n'y a pas ça, Kélène, hein? La regarde les cookies que j'ai ramenées de Munet, là, elles sont jolies. Ah oui, c'est magnifique, mais... En lacre, hein? Mouinet. Comme on disait avant, avec Marcel Bertoubaf, là. Avant, on trouvait plein de petites coquilles comme ça à 40 ans. Elles étaient dans les tons roses. Ah, et ben, on faisait des colliers, des bracelets. Bah, avec les bigorneaux jaunes, on faisait des colliers, des bracelets. Maintenant, on ne trouve plus de bigorneaux jaunes comme ça. C'est pas évident. À calotte, une fois, on en avait trouvé. À calotte, il y en a, oui, mais pas beaucoup. Mais il y en a tout ça de couleurs. Et surtout les zut, hein, il faut qu'on arrive à faire conserver. Ouais. La vinaigre ou comment on fait pour ça? Ou laisser comme ça pour que ça cesse. Bah, ouais. Là, la couleur arrive à changer. Tu peux monter à mamie Kentai qu'on a trouvé des huit. Hein. Blanc. Oui. Elles sont belles. Oui, c'est. Ça, c'est la même. Mm-hmm. Les longues à manger. Ça, il y en avait deux autres. Oui, mais les longues. Trois huîtres. Elles sont belles. Hein? Énormes, celles-là. Non, puis c'est joli comme coquillage. Et les deux autres, tu gardes, tu conserves aussi là. C'est là. Ok. Mm-hmm. J'ai réussi à les ouvrir sans. Peut-être laisser sans comme problème. Ça, c'est joli pour que cesse. Pas qu'on voit encore les. Oui. Des coquillages qui entendent au-dessus. Mmh, mmh. Les huîtres plates, en plus, sauvages. Il n'y a pas le droit de les ramasser, normalement, si t'es dans l'herbier. Non, on n'a pas. Ah. Ça, c'est une tortue, ça. T'as deux tortues. On leur avait donné des noms, même à la réunion. Ah oui, les tortues qui bougent. Oh là 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 là. Tu vois, avec ça, on peut très bien faire des vidéos. Hein. Créateur. Ça, une bonne tranche de thon frais. Ça, ça manque. Quand tu achètes ici, c'est pas plus pareil. Oh, le poisson, je sais même pas, le thon, c'est bon. Ouais, mais du thon, c'est un goût... Qu'est-ce que j'avais acheté un filet de barbu. Oh, ça, c'est bon. Ah ouais. Mais c'est bizarre, enfin, on trouve pas de sève. Ils élèvent des sèves, mais ils vendent pas la viande des sèves. Ah, si, 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 si. Dans certaines régions. Régions, ouais, mais pas. Tu vas dans le Val de Loire, tout ça, tu vas trouver du cerf, il y a plein de cerfs. Non, de la chèvre. Ah, de la chèvre, ah. C'est la viande. Ouais. Ça dépend des coins, quoi. Du cabri. Oui. Ou il faut aller dans les boutiques musulmanes à Paris, tu veux en vendre. Ah, vraiment, ça me manque parce que je connais ça à nous. On allait manger du cabri comme ça. La réunion aussi, du cabri. Hein. Cabri masqué. Ouais. T'as combien de tortues? Deux comme deux. Ça. Hein?
Ça, c'est dans des œufs. Des œufs surprises, c'est ça? Ah ouais, ouais. C'était un gros. J'en avais acheté ici. Il avait acheté, après il avait caché. Oui. C'était pour moi. J'avais trouvé du carton dans un arbre et c'était lui. C'est vrai? Papa, il est beau avec les vêtements qu'il a. Ça, c'est cadeau de mamie, ça. Non, ça, c'est Pierre qui a acheté ça au golf, ça. En sol, au golf. Il y a plein de trucs là-dedans. Non, mais il y a plusieurs tortues. Il y en a deux. La deux. Moi, j'avais un coffret aussi breton, là, ça faisait comme un tiroir. J'avais plein de photos des temps gamines. Ah ouais? Ils sont disparus. Hein? J'avais vu ce truc-là, ouais. Alors, il faudrait que j'aille voir, retourner en haut où sont passés ces fossiles, là, pour voir qui étaient jolis. Hein. J'avais trouvé ça à Dunkerque, quand on avait été faire une balade avec l'école dans le Pas-de-Calais. Là. Le pépère avait des huîtres, je sais, fossilisées. Comme des grandes moules. Non, c'est comme ça. Kéké Akon, si tu n'arrives pas, à tout à l'heure, t'as réussi, non? Ah oui, non. Patient, c'est ça qu'on dit. Et donc, tu as des faits à tout à l'heure, alors. Oui. Oh, mais pourquoi tu as des faits? Bah, il est bien sur ce tapis, là. Il a plus chaud que bah sur oui, le carrelage. Je voulais changer de la carapace. Ah. C'est possible, non? C'est juste une histoire de couleur. Il y avait du monde au parc de Gouy hier. Tu as réussi, donne à papa peut-être, il va t'aider. Tiens, j'ai vu un érable du Japon. Ah oui. Il était vert, quoi, pas rouge. Ah oui, c'est quand tu descends là, ouais, juste au-dessus des terrasses, il y en a un. Oui. Oh, c'est joli le parc de Gouy. Ouais, ouais, ouais. Elle avait sauté à Gouy là. Oui, oui. Que j'ai envie d'eux, mais finalement, je dis deux. Je veux deux choses, je veux aussi rosier, donc j'ai gardé la somme pour rosier. Parce que j'aime bien aussi arrose, avec mer, les deux côte à côte. Ça c'est joli aussi, mais on ne peut pas tout avoir. Donc on va voir si bah, il est au soleil. Là, donc, là c'est tout beau. Les feuilles sont bien rouges. Mais ça pousse assez lentement, ça? C'est assez vite, à certaines années. Lentement, les débuts seulement, mais après, ça va être... Tu vois, t'as réussi. C'est une tortue de mer ou de terre? Mer. C'est vrai? Mer. Ok. Ben, l'image va s'échapper. Bah, Donc, cette fois-là, avec les deux plantes à sauter, ça me plaît. Le rosier, pareil, j'ai une manne à décider, le rosier qui sent bon comme tu aimes à monter, ou celui-là, finalement, celui-là un peu plus cher que l'autre, mais celui-là, vous prenez. Que la couleur, la couleur est assez grave hein, comparée oui, à l'autre. Ouais. Et aussi, ça répète des fleurs que les autres, il y a moins de fleurs en quantité déjà. Mais je vois chez Morvan, là, leur mur, là, qu'est-ce qu'il est beau, là, actuellement, à côté du lavoir, avec toutes les campagnoles des Carpates, et puis il y a des fleurs jaunes, là. Là. Oh, c'est joli, hein. Ah oui, celui-là, ce mur-là, en bas, ouais. C'est magnifique. Et bien, l'autre jour, quand on a vu du côté du terrain, aussi, il y avait deux maisons, il y avait des petits murtins, il y avait des petites fleurs roses, là. Et puis des fleurs blanches, là, c'est joli, mais là, c'est vert.
C'est vrai. Ah, ok, tu as trouvé. Ça va ensemble, mamie alors. Mamie a vu des petits poulains. Ah ouais? Oui. Tu peux déplacer le passoir, s'il te plaît. C'est le canne à eau. Vite le canne à eau, la partie à eau seulement. Ok, merci. On a un homme parfait, hein? Mais il vaut bien. Moi, j'ai pas d'homme parfait, bon, ben, je fais ça. Ouais. Il faut bien faire la vaisselle. Bon, il reste 2-3 crevettes, quand même, c'est bon. Mais c'est diminué, impressionnant. Quand j'ai décortiqué les crevettes, j'ai dit, mais j'aurais assez avec 2. Pourquoi t'en as assez avec 2? Je me posais la question. S'il en fallait pas 3. Non, mais c'est un peu trop. C'est vrai. On a un homme parfait à son anniversaire, c'est lui qui fait le repas, c'est lui qui fait la vaisselle, ça c'est la chance unique. Unique, j'allais te dire. La chance unique. Le monde à l'envers. Il n'y a pas beaucoup les femmes qui reconnaissent la chance. Oh, qu'est-ce que tu fais, Yvonne? C'est quoi? Il bricole. Heureusement, je ne suis pas mariée avec un Vietnamien, sinon ces sens n'existent pas. Bah, si tu pourrais manger la nourriture vietnamienne tous les jours. Mais surtout, là, dans ce cas-là, il faut trouver un homme qui est capable de payer une bonne. Oui. Ah. Ça existe? Mon frère ne donne pas un coup de main, tes deux frères là. Si, il me donne un coup de main. Mes frères, oui. Et il ne faut pas rêver sur les autres non plus. Pour quand elle attend son bébé, ta belle sœur là? Oui, bientôt, là. Ah bon, bien. Même là, une fois, elle est trouvée à chef cuisinier. Tout est bon, vite avant le mariage, on met en règle, on va négocier en famille, il y a des fêtes, c'est la femme qui fait la cuisine, c'est aller up dehors. Je trouve pas, je n'ai pas trouvé cette cuisinière pour que c'est moi qui fais la cuisine quand on a des fêtes en famille, ça va pas. Ben, il se repose, lui. Il cuisine tout le temps. C'est pour ça. Que juste avant le mariage, tout est bon. Moi, je suis servie de A à Z, même que c'était au travail. C'est la nourriture a été. Ils s'en fichent que les patrons qui veulent manger. Ils font seulement ce que je veux manger. Et plusieurs façons, plusieurs fois, les patrons qui discutent, mais c'est pas possible. Tu fais manger pour qui ça? On te dit déjà, tu es capable de faire même 2 plats. Ça veut dire que N veut que bouillir et toi, tu peux faire très bien, faire fier, tu partages en 2. Mais tu fais la moitié pour N et moitié pour les autres. Mais non, tu nous forces tout à manger quand même, ça va pas. Nicolas, tu sais, il vient cet été ou quoi? Ah, je sais pas. Oh, il y a longtemps que j'ai pas vu Amina. Ouais. Je sais pas si elle est rentrée ou pas. Hein. Bah, quand même. Ouais, ouais. Elle était en Égypte, hein? Mmh. Est-ce qu'il devait venir au mois de juin, je crois? Ah bon? Ah, je voyais, ils cherchaient aussi des agriculteurs pour aller à Ouessant, là. Ah oui. Mais ouais. Ouais, ils en trouvent bien sur des îles juste à côté. Là. T'as pas réussi, cette fois-là? Non, une île. Tu veux de tête?
il n'y a que une ferme sur cette île. Ah bon? Ouais, Kemenes. Ah oui, 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 oui. Là, ils ont trouvé. Comme, tu sais comment maman peut faire pour la fête, ton, ton chapeau rouge à Bolène, et je crois qu'il voulait aller à Ouessant. Ah bon? Ouais. Tu sais pas comment on va faire? Dis-moi. On va mettre l'eau, beaucoup l'eau, dans l'évier là où papa il fait la vaisselle là. Avec, un peu de savon. Oui, et maman va nettoyer à la main. Quoi? Le chapeau rouge. Ah. Il est joli ce chapeau. Oui, et ça, ça va avec. Tu vois, avec la vêtement, avec cette, le queue long derrière. Ah, queue de pie. Je ne sais pas quel est le nom, impossible. Je vais. Je vais sur le. Parce que le truc qu'on vient lui sur l'ordinateur, peut-être ça manque. Que le logiciel peut faire qu'il s'est présent, que ça ne peut pas tout ouvrir. Le lit, vêtements, cassette virginale, préparer celle-là, préparer. Tâcher pour les filles, non, enfin, ma scène, comment. Vietnam revient sur scène. Mais non, je ne trouve pas le nom bizarre. De quoi? Ton vêtement. Le nom de vêtement que tu vas habiller pour le théâtre. Moi, vêtement noir. Oui, un vêtement noir, mais ça s'appelle le que. Le cap. Attends, je cherche. Je suis sûre que j'ai lu le jour quand j'ai lu sur le pièce joint. Mais quand je transforme pour pouvoir imprimer, peut-être c'est pas eu. Enfin, elle dit, ne porte pas une crise de pied. Oui. Il ne veut pas se monter tout seul. Ah, smoking? C'est pas grave. Non. C'est, tu essayes de prendre un peu plus de temps, étudier, réfléchir, tu vas réussir, maman. Je réfléchis à chaque fois. C'est quoi? Tu vas réussir. C'est quoi le... Je suis sûr, tu vas réussir. Un sous-marin. Un sous-marin? Oui. Ah oui. Mais il y a l'année prochaine, il n'y a pas encore les grands voiliers à Brest? Au moment, ils n'en parlent pas, j'ai pas vu. Ce truc-là, c'est de plus en plus. Enfin, et pour faire fonctionner tout ça. C'est comme la semaine du golf cette année. Enfin, ils ont réussi à faire, mais. Que de pis! Que de pie? Oui, que de pie. Cœur de pie? Oui, que de pie. Cœur! Non, que. Cu. C'est un pantalon rayé, gris et noir, là, quelque chose comme ça. Et puis, ça fait comme ça, puis il y a deux queues, là. La veste c'est est verte. C'est un truc de cérémonie, ça, la queue de pie. C'est là on est en train de réfléchir avec quoi on met comme pantalon, parce que là j'ai vite le queue de pie noir.
Avec des pantalons, qu'est-ce qu'il a? Il faut qu'on réfléchisse et de voir qu'il a un pantalon de cette couleur-là. Il a la chemise. Ah, tu peux mettre un pantalon gris avec ça. Et le chapeau rouge. Donc, ceci, c'est tout rouge ensemble, ça sera pas mal. Parce qu'à un moment, il enlève ça à l'intérieur. Non, le pantalon et les costumes rouges, ça va pas avec une costume. Donc, gris, c'est bon? Bien sûr. C'est ok. Le chapeau rouge, c'est bon? En vrai? Et tu peux mettre. Il n'a pas un petit polo blanc? Non, non, il n'a pas de bleu. Je ne sais pas faire non plus. Parce que la chemise, on a. C'est ça? On a plusieurs chemises. Le mercredi qu'il faut qu'on présente tout ça pour voir si c'est bon. Maman, si tu veux, le mercredi après-midi, si tu es libre, tu peux venir voir. Mercredi qui vient là? Ouais. Mais c'est férié le 8 mai. Oui, mais nous, ça nous reste que 3 répétitions. Ah non, parce que je suis invitée mercredi. Ah ok, oui, invitée. Où? Oui, surtout le 22, tu es invitée pour admirer le... Répétition Zénégane. Alors que je marque le 22. Oui, le 22 mai. Et le 23, 24, ça sera le spectacle le soir. Le 23, c'est le soir. Le 24, le matin, je crois. Le matin ou après-midi. Le après-midi, arrêtez. Le spectacle est. Parce qu'il y a 3 équipes qui jouent, donc une soirée n'a pas assez, donc on a 2 journées. Et ce que vraiment veut bien, ce que je vois, l'équipe de adolescents, je n'ai pas vu, mais l'équipe, les enfants de 10 à 12 ans. Et toi, hier soir, quand je me couchais, 10h30, 11h15, et ben il n'y a pas de lumière dans ma rue encore. Et dans l'Olorie, il y avait de la lumière. Mais chez moi, il n'y avait pas de lumière. Ah ouais? Non. Bizarre. Tu as rentré les verres? Oui. Bon, dans ce marqué. Tout à l'heure, que de piche. Ah non? Il est vraiment méchant. Il est méchant? Oui, le sous-marin. Le sous-marin. Qu'il veut un enfant soit intelligent, patient, c'est comme ça, hein? Patient, intelligent. Moi, je suis bien intelligent. Ah oui, donc ça manque la patience peut-être. Ça te manque encore ça? Je suis patient. Ah donc, dans ce cas-là, prends un peu de patience, comme ça, ça va être parfait. Ah tiens, l'autre jour... J'ai mis mon polo bleu acheté au Vietnam, là, impeccable, là. Ah ouais? Je l'ai lavé, là. J'ai un blanc comme ça aussi. T'as acheté quand la dernière fois, là? Non, la fois avant. Ah oui? La marque, avec une marque Ralph Lauren, oui? Ah oui, oui. Ah, moi, j'en ai encore. Hein. Ah, moi, je peux faire le bleu. Oui? Et après, tu l'as la tortue entière dans la boîte, alors? Ben, il y a longtemps que j'ai pas vu la dame qui habite dans la maison, là. Avec des lunettes? Une louette, là. Magnifique, monsieur, son anniversaire, il est en train d'être filmé en plus pour montrer vraiment la chance à sa femme qui a. De quoi? Tu es filmé pour confirmer que ta femme a la chance. Ah, regarde le temps qu'il fait là. Ouais. Oh, il y a un oiseau là. Il y a une grille, mais elle vient souvent là. À tout à l'heure, je dis à ma mère. Maintenant, là, je peux traduire tout de suite.
Hôm nãy mẹ nói với ngoại là ba nấu cơm xong rồi bây giờ ba rửa bát. Đấy, bây giờ là khẳng định là ba nấu cơm xong bây giờ ba đang rửa bát đó. Sinh nhật ba á. Cơm sao bà ngoại như thế thì bà ngoại hiểu. T'aimes bien chez mamie fouiller dans les tiroirs, les coffrets aussi, hein? Il y a des choses secrètes chez mamie aussi. Il y a des trésors. Oh! Oui, il y a un oiseau qui a fait du bruit. Il y a un oiseau, viens voir, viens, viens ici, 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 un oiseau. Il ne voit pas le verre. Ah Le verre, il ne le voit là. Là, il à apprend à voler. côté Là, du paquet de laisse-lui lessive. là pour le moment. Il est blessé pour le moment. Il est blessé, il ne voit pas Le verre. le verre. Il ne voit pas le verre. Pourquoi? Parce qu'il s'envole. C'est peut-être la mère et son petit, alors. Parce qu'il y a un qui est là. On va essayer de le libérer. Ah, ça y est, il bouge. Attends, laisse-lui, il vient vite. Ah, ok. Laisse-lui pour qu'il retrouve là. Et il est curieux, hein? T'as Qu'il vu? vient taper sur le verre. Donc, il faut que. Ah, ça y est. Là, laisse-lui. Il faut pas lui faire peur. Et en plus, il ne faut pas que Lily prenne. Pourquoi? Parce que sinon, Lily, ça devient la nourriture pour Lily tout de suite. Ah oui, il y en a un autre qui est dans l'arbre là. Ah bon? Maman, je vais voir. Tu veux voir? Ok. Oh, il est parti, non? Non, Non, il est toujours il est là. toujours là. Il est toujours là. Il est là. Tu le vois là? On a dans le pot. Faut pas lui faire peur, il faut lui laisser récupérer la force pour pouvoir repartir. Ouais, ok. Heureusement, Lily n'est pas là pour ce moment, non? Il est parti aussi, c'est son copain. Il était là. Il est parti, Bon, ma mamie va aller. Et nous, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi alors? On va voir le vent. Le jardin encore. Le jardin encore. Il vient d'envoyer le jardin. Tu veux couper encore? Attends, je veux vivre un petit point. Là-bas, tu veux couper? Qu'est-ce qu'il y a, un poil?